Moi, j'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor dans les années 90. Je débutais dans le journalisme et j'étais chargée de rédiger son journal de 20 heures. J'ai porté plainte pour un viol en 93. Je m'appelle Stéphanie Cayatte, je suis journaliste. J'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor pendant plusieurs années et j'ai porté plainte pour deux viols, l'un en 94 et l'autre en 97. Je m'appelle Marie-Laure Eudes de Lattre. J'ai été violée par Monsieur Patrick Poivre d'Arvor en 1985. J'avais 23 ans. Et j'ai mis 36 ans à porter plainte. Je suis Noura Berbideh, je viens du Pays Basque et j'ai porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour harcèlement sexuel. Harcèlement qui a eu lieu en 2003 alors que j'étais journaliste. Je m'appelle Margot Coquille-Leys, je suis enseignante. Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage, à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et qu'il m'a agressée sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans. Ce qui monsieur a dit qu'au moment où il s'est passé, badakigu garrantzitsua dela atzo gertatu dena, badakigu elkar laguntzeko ona dela, agian gauzak aldatzeko ere bai, batzutan nahi dugu desagertu, beste batzutan beste gauza batzu egan, ona hasia, baina konsiente garrantzitsua dela, eta indartsua iduritzen zaidana da taldean garela, kolektiboa dela, eta hitz egiten aldu ez duten emazteentzat garela eta hori kriston indarra da.